Bonjour, alors aujourd'hui présenté 63 Days, sorti le 26 septembre 2024, développé et édité par Destructive Creation. C'est un jeu qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est un jeu de stratégie et de tactique en temps réel et qui est aussi en coop. Il est au prix de 28,99€, il est solo, du coup il a de la coop en ligne, sur Steam, le Steam Cloud, le partage familial, la manette est complète apparemment, mais je pense que j'ai pu tout jouer avec le clavier souris. L'interface aux titres sont en français, l'audio est en anglais. Voilà, écoutez, pas plus, pas moins, alors on va voir si le jeu va m'intéresser. Et si je vais bien m'en sortir. Allez, à tout de suite sur le gameplay. Bon, surtout sa page d'accueil de 73 Days. Nidia fonctionne, c'est bon, tout doit aller. J'ai fait mes petits réglages. Bon, les réglages graphiques sont faits automatiquement. Donc, on va laisser comme c'est. Et on va pas toucher tout. Alors, démarrage rapide. Démarre le jeu avec les paramètres par défaut. Consultez le menu campagne pour plus de paramètres. Ben, on va faire ça. Alors, comme je suis une quiche, on va mettre très facile, je suis désolé, mais... Ça, on va laisser, ça, on va laisser... Ah! Ah ouais, on a que... Ah! Ah, ça se passe pendant la... Ça se passe en Pologne, c'est ça? Ah, je vais mettre en polonais, tiens. Ça va être rigolo. Bah, rigolo. Au moins dans le... Dans l'esprit du jeu, on va dire. Bon, bon, je sais pas trop comment... Alors, je suis pas un adepte des jeux de stratégie. Je suis même plus trop fan comme à une époque. Mais bon, de temps en temps, tester, c'est pas mal. Et vu que j'ai l'opportunité de pouvoir faire une vidéo découverte, je vais la faire. Alors, est-ce que ça va être un peu dans la même veine que des commandos? Je sais pas. On verra ça. Oui, s'il te plaît. Parce que chaque fois que je fais l'erreur de pas commencer le tutoriel, et après, je cherche comment faire. Donc ça sera pas mal, oui. Ça, c'est ma grosse erreur à moi. Bon, j'ai pas joué à la manette, comme j'ai dit, parce que je stratégie. Alors, ZQSD. Ah, peut-être qu'à la manette, en fait, finalement, pour les déplacements... Bon, non, on va faire... Ah, clavier directement en AZERTY. Ah, pour faire pivoter la caméra. Ah ouais, pour avec la manette, ça doit être automatique quoi. Ça c'est pour zoomer. On peut pas. Non, ça c'est pour choisir. C'était RQ, ça fait quoi? Ah ouais, d'accord. Ok. Ah oui, pour sélectionner deux mecs. S'approcher de la porte. Est-ce qu'on a une carte du coup? Pas de carte apparemment. On va les faire courir? Ça me rappelle un peu Commando là. Ah, ramper sous le mur. Ah, ramper ou escalader le mur en fait. Ah, on peut y aller qu'une par une. Bah, toi aussi, vas-y, non? Ah, tu peux pas. Ah, on peut faire comme ça. D'accord, on peut sélectionner, ouais. Cześć wszystkim, dobrze widzieć, że wszyscy dotarliście. Jestem młody. Rysiek powinien być tu lada moment. Ah, c'est moi qui dois choisir. Oddział! Baczność! Szeregu zbiórka! Co to kurwa za piknik? Eh? Przyszliście się tu czegoś nauczyć! A nie na pogadu! Ah, d'accord, c'est des mecs. Odpal nam światło! Ta jest! Oddział, spójrz! Kapralu, Quoi? Co to za miejsce? Na, to stara posiadłość, która należała do rodu naszej matki. Dawno temu. Spaliła się w latach 20. i nie mieliśmy środków, by ją odbudować. Przenieśliśmy się do Warszawy. Czyli jesteście braćmi? Myślałem, że to od razu widać.
Pas trop dans le bon sens. Tak, ale ciemno tu. Nic się nie martw, będzie dobrze. Często przychodzimy tu potrenować. Teraz dowództwo chce, żebyśmy potrenowali trochę świeżaków. Pas compris là. Mise en tension, mise sous tension. Comment ça? Appuie sur H. Ah, mais il est où l'ennemi? Ah, il est là. Ah, ah, d'accord. Donc il clique dessus. Ah, ici. Faut pas courir un peu? Ah, il court. Ouais, c'est un peu comme commando, quoi. Par contre, on peut pas voir dedans, là. Ah, on peut pas. Attendez, là. Ah, en plus, c'est pas là qu'il faut aller. C'est ici. Même là, tu vois. Et faire quoi? Ah. No dobra, działało ostatnim razem. Starszy młody! Co z tym światłem? Kurwa. Może spróbuję jeszcze raz. Attends, est-ce qu'il faut pas prendre lui plutôt? Ah non, il sait pas le faire lui, apparemment. Ou alors toi qui dors. Ah, ça y est. Quoi? Groupement ici. D'accord. Ça nous dit où aller quand même. Cinématique et tout pour nous expliquer. Najpierw pokażę wam jak się zabija po cichu. O ile nie jesteście leszami jak mój chudy brat. Spierdalaj. Panowie, wystąp. Drugie panie na razie patrzą. Plecami do mnie. Alors, étranglement. Étrangler trois cibles. Alors, sélectionner Lynx. Ouais. Ah, et là, il faut... Ouais, c'est vraiment commando, en fait. D'accord. En fait, chacun a ses compétences, d'accord. Ah oui, il faut prendre... D'accord. Jak widać, atakowanie od przodu to słaby pomysł. Szczególnie jeżeli ma być po cichu. D'accord. Myślałeś, że tego unikniesz, co? Dobra. Wydwaj wstawać, ty leżysz dalej. Moja szyja. Przeżyjesz. Jaką błędzą na pejkę medasy, już pomóc zentrenuję. Alors, vous pouvez ramasser des cadavres. Ah, en maintenant CTR ou en cliquant sur le cadavre avec LB. Pour déposer les cadavres sur le sol, maintenez CRT ou cliquez sur LB. Ah, bah, on peut faire deux choses à la fois, c'est cool ça. Ah non. Ah oui, c'est ça. Et là, on va là. On va appuyer sur la start. Et comment on fait? Déplacer le corps. Bah oui, ah, mais il faut resectionner. Pépère. Ah, bah non, il veut pas.
C'est moi qui veux pas. Ah, il faut dire où aller, d'accord. Elle était un peu fort, d'accord. Déplacer les corps. Ah, et là on le reprend. Et là on fait ça. D'accord. Ok. Dobrze jest wiedzieć, jak po cichu zabić i szybko od razu zabrać trupa. Pokażę wam. Alors, le héros ramassera le corps juste après le meurtre si vous maintenez CTA, puis donnez un ordre de tuer au corps à corps. Hein? Tuer? Attends. Le héros ramassera le corps juste après le meurtre si vous maintenez CTA. Au corps à corps? Ah oui, d'accord. Là, j'ai travaillé, normalement, il va le ramasser. Ah oui! D'accord. Et là, je lui fais par exemple là. Ah oui, d'accord, on peut directement le prendre. Ah. C'est un ancêtre à Hitman, ça. À 47. Et après, on fait ça et ça. D'accord. Les pauvres. Drogie panie, chodźcie ze mną. Pokażę wam bardziej finezyjne metody. Zapraszam pod tamto drzewo. Le fil du rasoir. Moi je vais aller là. Ah, le petit jeune aussi. Ah d'accord. Alors, peut tuer ses ennemis à distance en lançant des coups doux. Le ramasser. Że można go rzucić szybko z zaskoczenia. Wadą jest to, że trafiony gość raczej na pewno krzyknie. Więc nie jest to takie ciche, jakby się mogło. A, jest komando Maximana. A, c'est commando en fait. Commando, c'est un peu ça. Bon, c'est un peu plus dur par contre. Apparemment. Alors, pour se déplacer plus rapidement, dupliquer sur LB à l'avancement de la cible. Il est utile dire que courir est beaucoup plus bruyant que marcher, ça je m'en doute. Et il faut aller où du coup? Ici. Moi qui doivent courir là. Ah oui, ça fait plus de bruit, ouais. J'ai eu qu'à le dire. Les héros peuvent ramasser des armes. Ah, maintenant c'est TR. On peut pas lui. Ah si, non. Alors, et en cliquant sur l'arme. Ah, trouver les deux Luger, d'accord. Comment on fait pour trouver les Luger? Attends, le petit jeune il a déjà. Bouger. Ah, ce serait pas là où il y a les étoiles? Non, non. Ah, si. Attendez.
Ok. Prendre la position de tir. Attendez, il faut juste que je me concentre sur le maniement des commandes. Bon, c'est bien, alors clique dessus, ils vont direct. Bon, après, il faut pas cliquer trop longtemps parce que. Oui, ça fait du bruit. Mais attends, rien là, et toi? Attendez. Ah, parce qu'il y en a une autre. Elle est l'autre là. Et là, l'autre. Faut bien étudier le terrain quand même. Hein. Bah alors. Attendez. Ah, parce que c'était lui qui était. D'accord. Ouais, c'est un peu bizarre. Ah. Choisissez une compétence d'arme à feu et confirmez le cible. À chaque fois, il faut faire ça. D'accord, à chaque fois, il faut cliquer sur la. Attendez, non, c'est peut-être celle-là. De... Ah. Oh, ça va, c'est pas compliqué. Alors, en mode planification, vous pouvez sélectionner une action par héros et exécuter tout en même temps pour activer le mode planification. Ouais, c'est vraiment commando quoi. Alors, prise de vue en mode planification de chaque héros et cliquez sur bouteille. Attends, pas compris. Attends. Ah d'accord, faut cliquer. Ah oui, là on fait ça. Tac. Tac. Ah non, pas ça. Non. Attendez, je me suis trompé. Lac. Lac. Ah non, on peut pas choisir plus, d'accord. Planification. Merde, je me suis trompé. Là, et on va faire là. Et là, on fait entrée. D'accord. Donc on fait tab pour aller plus vite. Là on planifie, on prend l'arme, on planifie ici. Là on prend lui, on prend non. Désolé, on prend ça, on prend ça et on fait entrer. D'accord, on fait tac. On prend l'arme, on fait tac. On prend l'arme, on fait tac. Et on fait. Ah, et on peut faire aussi sur la commande. D'accord. Entrer dans le monde de combat en appuyant sur C. Et déplacer le joueur. Et tirer sur les casques en les pointant. Ah, on peut le faire soi-même. Ah, c'est sympa. Le système, j'aime bien. C'est trop vert. Alors, se cacher et s'échapper. Ah bon? Thomas au manoir. Discretos. À toi l'honneur. Jeden z nas chowa się w ruinie i daje sygnał. Reszta rozbiega się po pomieszczeniach i udaje strażników, ale nie szuka go. Jego zadaniem jest wyjść na zewnątrz niezauważonym, ale może oszukiwać strażników robiąc hałas, by ich odciągnąć. A d'accord. Tylko pozostać niezauważony. Ah, c'est trop bien le tuto, par contre je suis bien content d'avoir fait le tuto parce que... Ok.
Alors, certaines portes et bougies groupes permettent aux personnages de se placer rapidement d'un point à l'autre. Les héros peuvent se cacher à l'intérieur ou s'y débarrasser d'un corps. Cette deuxième caractéristique s'applique également aux armoires, aux placards et aux coffres de voiture. Cacher Lynx dans le sous-sol. D'accord. Dans le sous-sol. Lynx dans le sous-sol. Il est où le sous-sol? Ah, il est là. Dans le sous-sol. Ah là. Et machin, je le cache dans l'armoire qui est ici. Attendez, hop. Je me retrouve bien à la commande. C'est quand même un peu chiant, quand même. Faut pas oublier que cet LR, c'est toutes les actions. En même temps, chacun va se placer en mode garde et à nous de s'échapper, c'est ça? Ok, bah on va voir si on s'en sort. Oh, je pense qu'on va faire que le tuto, à mon avis, dans les pistes. Bon, on aura déjà vu une petite partie du gameplay. Et si je suis motivé, je ferai une suite, mais pas aujourd'hui. Hein. Au moment où je tourne la vidéo, en tout cas. Alors. Cliquez sur RB. Sur un adversaire avec RB. Attends. Cliquez sur un adversaire avec RMB pour afficher le champ visuel. D'accord. D'accord. En fait, on peut pas le voir automatiquement. Ok. Ah, il faut faire les 5, je suis bête. Ils sont où les autres? Elle est là. Et la dernière, bien sûr, elle est ici. Le marqueur de vision vous permet de voir si une position marquée est observée. Par quelqu'un. Survolez l'endroit où vous voulez le placer avec le curseur et maintenez RB jusqu'à ce que l'icône apparaisse. D'accord. Attends. Merde, c'est ça. Attendez, pas compris. C'est ça? Ou c'est ça? Placer le marqueur de vision. Placer le marqueur. Et mettre un RB jusqu'à ce que l'icône apparaisse. Ah! D'accord. Sortir du manoir sans être vu. Donc là, ça me dit que lui, voilà, c'est ça? Ok, bah, j'ai pas bien compris là, par contre. Là, je peux pas passer là. On va prendre petit Lynx. Petit Lynx, petit jeune plutôt. Donc lui. Me fait lui. Attendez, j'ai pas compris là. Ah. J'ai pas compris là par contre. Ah là, ça me dit que lui voilà. Lui voilà. Ah, c'est vrai qu'il faut faire gaffe en fait. Donc si je lance une pierre là. Ouais, ça va pas l'air trop le distraire, quoi. Ah si, attendez. Ah, je sais pourquoi ça le distrait pas, parce que c'est pas assez bruyant. Pourquoi c'est chiant, parce qu'il y a lui qui est chiant. Ah, mais je peux aller jusque là, non? D'accord. Parce que j'ai essayé de faire, ça n'a pas marché. Oh, par contre, ça a l'air compliqué là-haut. Mais, va pas là. Comment ça se fait qu'il me voit, lui? Je comprends pas. Mais. Ici. Quoi? Ah, c'est pour ramper. Ah, mais c'est pas le truc pour étrangler, d'accord.
Ok, ah, alors je comprends plus. Là, je comprends pas là. Lui, il voit comment lui? Non, mais. T'es con ou tu fais esprit? Ah, oui, d'accord, il voit tout ça. Oula, mais c'est chaud. Mais c'est chaudasse! Comment tu veux que je fasse pour en sortir, moi? Bon, attendez. Attendez. Oh, ça va être chaud, quoi. Déjà, je peux venir jusque là, lui. La partie infiltration, je vais avoir du mal. Hein. Mais. T'es con ou tu fais esprit? Tu fais. Je comprends pas là. Je provoque. Attendez, faut que je comprenne. Je sais, c'est bon. Mais c'est juste que j'arrive pas à comprendre le système là de provocation. Merde. Mais non. Mais je comprends pas. Je comprends pas là. Avance. Je comprends pas le délire en fait là. Mais non, ça. Lynx pour provoquer les ennemis. Lorsqu'ils les entendent, ils cherchent la source. Même j'ai appuyé. Ah si, ça y est. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, ça y est. Oh, c'est chaud hein, à faire. Parce que du coup, lui, elle le voit là. Ouais, mais ça va être chaud. Par contre, le système d'infiltration, j'ai du mal par contre, du coup. Donc attends, elle le voit là. Donc ce qu'on va faire. On va réussir. Hein. On va réussir, on va réussir. On va faire ça. Oh, ça marche pas. Ben. Pourquoi ça marche pas quand j'appuie sur le bouton? Je comprends pas. Ok, mon casse-toi, tu me saoules en fait, putain. C'est pas ça. Alors, et alors? Bah. Alors, table? Entrée? Non. Ça, c'est tout coordonné, mais. Mais pourquoi il veut pas me faire l'action? Je comprends pas, là. Mais quand il est pris, donc ça veut dire qu'il doit être là? Non. Hop là. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il est cruche? Qui est cruche? Mais je comprends pas pourquoi il me fait pas là. Je fais la provocation mais il me le fait pas. Pourquoi il me dit de mettre là en plus? Je comprends pas. Bon attends, on va se mettre là. Fais le truc, non? Faut appuyer sur quoi? Sur space? Non, ça c'est la. C'est le fait de se allonger.
je comprends pas. C'est quoi ce bord? Mais je comprends pas comment faire la, la provocation. Pas possible ça. Qu'est-ce que tu me fais là? Ben, là, provocation. Et quand tu veux cliquer dessus, pourquoi ça marche pas? Ça a marché une fois. Là, tu veux y aller de son automatiquement. Là, tu vois son truc. Je comprends pas. Ben, je comprends pas du tout. Bah oui, mais utiliser la provocation, faut appuyer sur quoi? Non, c'est-à-dire... Faut appuyer sur... Faut rester... Oui, mais... Si... Je comprends pas. Là, je comprends. Je comprends pas. Je comprends pas sur quelle touche il faut appuyer pour que la provoque sans aller la voir. Là, il est là. Je comprends pas, là. Ah, oh, c'est ça qu'il fallait faire. Ouais, c'était un peu à la... Bon, con, je suis... Un peu chiant, quand même. J'ai pas compris, bon il y avait un... c'est pas qu'il y avait un bug, c'est juste que j'ai pas compris comment il fallait faire. Par contre elle voit quand même quelque chose elle, c'est chiant. Ouais c'est la partie infiltration, je vais avoir du mal moi. On peut sortir par là? On peut pas. Comment je vais faire moi? Ouais, bon bah, j'en ai sorti un, mais comment je vais faire pour le voir, pour pas qu'elle me voie hein? Ah, ramper. Ouais, mais lui, il va me voir, lui, c'est ça. Ah non, il verra pas, lui. Ah, il verra pas, lui, si je rampe. Je pense que si je rampe, il me verra pas. Bon, on va tester, on verra bien. D'où le sort, elle? J'irai pas le mot. Ouais, bah j'aime pas la partie infiltration, moi, pour l'instant. Mais c'est mal. Ah, dommage, j'aimais bien toutes les autres parties, sauf celle-là. Alors, attendez. Du coup. Et où le soir? Alors, attendez, je vais essayer de faire ça bien, là. Mais il va. Mais il va pas sur... putain de bouton de merde là que je me trompe chaque fois. Je comprends pas... Ah, comment j'ai fait tout à l'heure pour la... Oh putain, il faut vraiment se mettre là. Voilà, repris. C'est elle là qui va me faire chier. Comment je préfère ça? Ah mais elle tourne pas tout le temps la tête, non ça? Ah mais pas tout le temps comme ça en fait. Ok. Mais pourquoi il s'est levé? Parce que j'ai cliqué deux fois. Ouh, la partie infiltration. Ouh, qu'elle me saoule. On va essayer de finir ce tuto et je crois que le tuto je vais laisser tomber après. Pour l'instant, je recommencerai pas tout de suite. Hein. En plus, l'action elle est chiante là, à faire là. Alors attendez. Faut vraiment faire ça. Ah, il faut cliquer dessus le bonhomme. Ah, ok. Oh, c'est pas... C'est chaud chaudasse, hein. Ok, je commence à comprendre. Oh là là. Donc, on va attendre qu'elle le passe. On va la mettre en allongé. C'est elle, là, qui me... Mais comment... Ah, il s'est levé parce que vous savez quoi? Attends. Reviens là, reviens là, voilà. Il s'est levé parce que... J'ai cliqué deux fois dessus. Ah, attendez. Toi, là. On va attendre que tu fasses ton tour 2. Et après, on va partir par là-bas.
Voilà. Voilà. Con, c'est chaud. Hein. Attendez. Tournez, tournez, tournez. Ah, Rampa, il me voit pas. D'accord, ok. Voilà, un de moins. Ouais, la partie infiltration est chaude quand même. Hein. Faut vraiment bien gérer. Hein. Bon. Ah, mais il faut que je trouve la solution pour me barrer de lui là. Alors, elle. Ah, elle, peut-être pas trop. Attends, lui. Lui, il bouge pas. C'est lui là, en fait, qui est chiant. Et elle qui est chiante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt sauver elle. Voilà. Et lui, on va essayer de la tirer, je sais pas où. Alors, est-ce qu'elle est. Oh, mais on s'en fout, ça. On l'a vu des mille fois. Alors, fais voir un peu comment tu vois là. Il faut bien observer. Alors, elle me voit automatiquement quand je passe par là. Donc, il faudrait que je me mette directement là, en fait. Mais lui, il me voit. Donc, comment je peux faire ça? Attends, on va refaire le faire parce que. Qui est con. Ah, il m'a pas vu. Eh merde. Bon, attends. En plus, on peut même pas les insuquer, je parie. Et non, on peut pas les étouffer ou quoi. On s'en fout de ça, tu me saoules, j'ai compris. Moi, je vais faire pour sortir sans qu'il me voie, lui. Attends. Ah, donne-moi ton truc, toi. Mmh. Ah non, mais comment il m'a vu, lui? D'accord, ok, j'ai compris ce qu'il faut faire. Ah, mais non, il. Ah non, il m'a pas vraiment vu, en fait. Cool. Par contre, est-ce que je me suis pas bloqué, là? Ah non. Ah si, il faut que je fasse gaffe à son angle là. Bon bah c'était un peu au pif. Hein. C'était un peu au pif au maître. Hein. Bah je suis sorti. Ah non, je suis sorti hein. Ah non, c'est quoi l'arnaque là? Hein? Comment? Quoi? Hein? Mais. Hein? Mais. Non! C'est quoi l'arnaque là? C'est quoi la magouille là? Mais j'avais pas été vu? Oh non, mais ça veut dire que quand j'ai raté le truc, il faut qu'on fasse les deux bonhommes? Mais c'est quoi? Mais c'est une arnaque ça? Mais. Non! Ah non, non, c'est bon, ça va, c'est quoi, c'est un tuto aussi, non? Ah, mais ça veut dire qu'il y en a qui... Ah non, c'est bon, allez, c'est... je suis désolé, j'arrête. Non, mais ça va pas, j'ai une sortie de... Mais c'est quoi, cette magouille, là? Ah, dès qu'il y en a un qui est repéré, l'autre... mais c'est horrible. Mais c'est un tuto ou c'est un Dire in Try, là, parce que... Ouah, l'arnaque. Mais non, va pas là-bas! Ah non, là je suis dégoûté, c'est pas... Je veux dire, là c'est un tuto, c'est pas... Ça veut dire que c'est un mec qui s'est repéré, tout le monde s'est repéré? Mais en plus, j'ai pas fait le bon truc.
Hop. Bon, allez, voilà ce que je vais faire. Ouais, hop là. Au revoir. Ça va pas, non? C'est un tuto. Ouais, bon, rien que pour ça, voilà. J'ai fait un rage kit. Ah, c'est un tuto aussi. Je comprends pas là. C'est quoi, démarche rapide? Non. Ah non, je veux pas faire, je voulais pas jouer en fait. J'ai pas du tout. Je pensais que quand t'as sorti un à la fois, c'était bon. Bon, on s'en fout. J'ai pas envie. J'ai pas envie de jouer. Alors, je vais être. J'ai bien aimé les mécaniques du début, mais. Non, on s'en fout de ça. Hop. Mais là, voilà. Ouais, je suis désolé, j'ai fait un rage kit. Non, mais je veux dire, c'est un tuto. J'en ai sorti un, laisse-moi sortir l'autre tranquille, quoi. C'est pas besoin de sortir les deux en même temps. Ouais, bah. Ouais, c'est pour nous avoir. Ouais, bah alors, c'est que le jeu doit être très dur parce que même en facile. Oh là. En plus, la partie infiltration, j'ai pas aimé pour l'instant. Bon, je dis pas que j'y rejouerai pas, mais en tout cas, pour l'instant, je fais un bon petit rage kit. Voilà, allez, ciao. Et au revoir pour une prochaine aventure sur notre jeu très très différent. A plus.